De visiteurs. Nous allons donc passer aux déclarations de députés. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Une semaine après que le ministère de la Santé ait enfin annoncé une stratégie consacrée à la lutte contre l'explosion des décès dus aux abus d'opioïdes, il y a eu encore des décès supplémentaires dans ma circonscription. Il y a vraiment eu des décès absolument tragiques qui ont eu lieu à cause de l'abus du fentanyl, entre autres. Et je peux vous dire que, en fait, il y a eu de nombreux appels de la part du Conseil de prévention du crime à une stratégie gouvernementale pour s'attaquer à ce problème. Il y a une mort toutes les 14 heures en Ontario due à ces surdoses d'opioïdes et il y a des dizaines de décès par semaine. Donc vraiment, j'en appelle au gouvernement de passer à l'action très rapidement dans ce domaine. Il y a eu l'état d'urgence médical proclamé en Colombie-Britannique à cause de ce problème. Ils sont en situation d'urgence médicale à l'heure actuelle. Et plus nous traînons à mettre en œuvre une telle stratégie, plus il y aura de décès. Et donc j'aimerais vraiment que le gouvernement écoute les intervenants de ce secteur et traite ce problème urgent comme il le mérite. Merci, le député de Kitchener-Waterloo. Merci. Alors, j'aimerais vous dire que je me suis rendue à un événement qui consistait à recueillir des cailloux et à les entasser pour lutter contre la traite des personnes. Il y a de nombreuses femmes, jeunes femmes ontariennes, qui sont victimes de ce problème. Et c'est vraiment quelque chose d'absolument dramatique. Et en fait, il y avait un centre qui se consacrait aux intérêts de ces jeunes filles dans ma circonscription, mais qui a été fermé le 15 août de cette année. Et c'est vraiment absolument scandaleux de constater que nous continuions de nous mobiliser à la base, mais à la base uniquement pour lutter contre ce problème, parce que les organismes de ma circonscription qui s'attaquent à ce problème, malheureusement, n'ont pas reçu de financement de la part du gouvernement qui n'a rien fait pour les aider. Et la réalité, c'est que la prostitution n'est pas le plus ancien commerce du monde, c'est plutôt la forme d'oppression la plus ancienne du monde. Et donc il faut absolument investir dans l'information, dans le soutien aux survivantes et dans la prévention dès aujourd'hui. Merci, le député de Kitchener Centre. Etobicoke Centre, pardon. Monsieur le Président, bien sûr, nous voulons desservir sur le plan de la santé nos résidents du mieux que nous le pouvons au niveau local. Et c'est pourquoi je suis tellement heureux de vous annoncer l'avènement d'un projet auquel j'ai grandement contribué dans ma circonscription d'Etobicoke Centre. Mon prédécesseur en tant que député, ou plutôt ma prédécessrice, a vraiment travaillé d'arrache-pied à assurer des soins équitables aux patients. Et depuis mon élection, je continue d'y travailler d'arrache-pied. Et je suis vraiment heureux d'avoir entendu l'annonce par le ministre de la Santé que 358 millions supplémentaires seraient investis dans l'hôpital général de Etobicoke. Nous aurons donc une nouvelle unité des soins intensifs, une nouvelle maternité et toutes sortes de nouvelles autres unités dont nous avons urgemment besoin. Il y a également un financement supplémentaire de 15 millions de dollars qui est accordé par le gouvernement de l'Ontario aux soins palliatifs, aux soins de vie et à d'autres soins très importants pour la population. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer de lutter pour donner accès à mes commettants aux soins de qualité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Merci, le député d'Elgin Middlesex, London, pour une déclaration. Merci, Monsieur le Président. Je suis vraiment heureux
de pouvoir vous parler d'une campagne destinée à lutter contre la violence familiale dans ma circonscription. Malheureusement, c'est une forme de violence qui n'est que trop commune au Canada. Et les femmes, malheureusement, ont une probabilité quatre fois plus grande d'être victimes de telles violences. Et ce sont vraiment des statistiques à vous briser le cœur. Ce sont des chiffres absolument scandaleux. Et le 1er novembre, cette campagne a démarré. Et c'est la septième année consécutive de cette campagne. Et donc, la couleur mauve a été choisie comme couleur symbole de notre lutte contre les violences faites aux femmes. Donc j'aimerais vraiment vous demander à tous et à toutes de vous joindre à cette campagne dès le 15 novembre pour soutenir cette campagne qui est tout à fait cruciale. Et cette année, cette campagne Shine a Light, faire briller une lumière, a attribué un prix à l'une de mes commettantes de St. Thomas qui s'est particulièrement illustrée pour cette cause. Et j'aimerais vraiment encourager les victimes et les survivantes à parler de leurs expériences. J'aimerais également remercier particulièrement Megan Walker, qui est la directrice générale du Centre pour les femmes de London, ainsi que tous les autres intervenants qui aident tous les jours les femmes de ma collectivité. Merci, le député de Niagara Falls. Merci beaucoup. Je suis heureux de vous dire que je me suis rendu à l'hippodrome de Fort Erie pour sa 119e saison. Et hier marquait la dernière course de cet hippodrome pour cette saison. Et je peux vous dire que vraiment, il y a de nombreuses personnes qui ont apporté leur soutien à cet hippodrome tellement important. Et c'est un hippodrome qui a vu son taux de fréquentation augmenter de 10% et ensuite de 20% ces dernières années. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif et il a encaissé des bénéfices à hauteur de 1 million de dollars. Il y a eu un événement du prince de Galles qui a permis de recueillir 2 millions de dollars de financement et je pense vraiment qu'il faut reconnaître la contribution de la population de ma circonscription à la survie de cet hippodrome. C'est un hippodrome qui était sur le point de fermer, mais la population a réagi pour empêcher cette fermeture. Mais maintenant, il faut nous apporter un soutien pour continuer sur cette voie. Il faut absolument que l'hippodrome de Fort Erie siège au Conseil de l'Alliance et il faut absolument que ces efforts de la part de ma population n'aient pas été en vain. Il faut absolument reconnaître l'importance de cet hippodrome pour notre province en lui permettant de siéger au Conseil qui décidera de l'avenir des courses hippiques en Ontario. Merci, la députée de Scarborough Aging Court. Merci. Aujourd'hui marque la journée de la lutte contre la polio. C'est une maladie qui est malheureusement bien trop commune. C'est une maladie qui, malheureusement, estropie ses victimes et ça peut être une maladie mortelle. Et en fait, la polio a été réduite de 99,9% au niveau mondial. C'est ce qui a été annoncé au niveau international. Il y a à peu près 30 cas restants dans le monde. Et Jennifer Boyle a dit que la polio était en phase d'éradication à l'heure actuelle. Donc c'est une très bonne nouvelle et j'aimerais vraiment saluer les efforts de toutes les personnes qui ont contribué à cette éradication de cette terrible maladie. J'aimerais par exemple reconnaître une campagne qui a permis de recueillir 500 000 dollars dans ma circonscription. C'était une campagne ayant pour but de mettre fin à cette maladie. Jennifer Boyle et Ryan, par exemple, ont escaladé le mont Kilimanjaro pour recueillir des fonds pour cette cause. Et donc, j'aimerais vraiment remercier tous les membres du Rotary Club de ma circonscription pour leurs efforts d'éradication de la polio dans le monde entier. Le député de Bruce Gray-Owensham pour une déclaration. Merci. Je suis heureux de me lever pour
saluer la carrière d'un chansonnier de ma circonscription. Et en fait, il a publié un album qui est absolument exceptionnel. Et il a repris une des chansons de Elton John, par exemple, Willie Nelson, Rod Stewart, Joe Walsh, Huey Lewis, Kid Rock, etc. J'en passe les meilleurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et Frankie Miller, qui est la personne dont je parle, fait partie d'un groupe de rock absolument fantastique et très connu en réalité. Il en fait cohabite avec Rod Stewart, Johnny Cash et Ray Charles, par exemple. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et donc j'aimerais vraiment le féliciter d'avoir sorti ce dernier CD. Et en fait, les profits de la vente de ce CD vont aller à toutes sortes de causes médicales, car Miller lui-même a souffert d'une hémorragie cérébrale 22 ans auparavant. Donc c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et j'aimerais vraiment que les députés de cette Assemblée achètent ce CD et l'écoutent. Et j'aimerais vraiment que tous se joignent à moi pour lui souhaiter plein succès à l'avenir. Merci beaucoup. Merci, la députée de Nickel Belt. Merci. Je me lève aujourd'hui au nom des commettants de ma circonscription pour attirer l'attention des députés sur le fait que malheureusement, le conseil scolaire de district Rainbow va être forcé à faire fusionner 12 écoles rurales, ce qui sera synonyme de trajets bien plus importants pour les élèves pour s'y rendre. Et maintenant, il y a un groupe de parents de ma circonscription qui a décidé de simuler de tels trajets bien trop longs que les élèves devront effectuer à l'avenir. Et il s'agit donc de protester contre ces fermetures d'écoles. Imaginez un enfant de 4 ou 5 ans qui passe 3 heures sur la route par jour. Cet enfant sera épuisé lorsqu'il rentrera chez lui. Il ne pourra pas prendre part à des activités parascolaires quelconques. Et bien sûr, il y aura des problèmes de sécurité sur nos routes en hiver. Et bien sûr, c'est un problème, celui de la fermeture des écoles, qui touche de plein fouet les collectivités concernées. Parce que lorsque l'on ferme une école, eh bien, les familles quittent les collectivités concernées, ce qui malheureusement met en danger la viabilité des entreprises locales, comme les épiceries par exemple. Donc le message est très clair, s'il vous plaît, maintenez ouvertes nos écoles rurales. Merci. Suite des déclarations du député, le député de Beaches East York. Merci beaucoup. J'aimerais parler de nos athlètes olympiques. Et j'aimerais tout d'abord remercier Mme Nguyen et Mme McMahon, qui est la ministre responsable, bien sûr notre première ministre, d'avoir organisé une réception spéciale pour Kurt Hartnett et Christina Valias, qui sont des athlètes qui se sont illustrés grandement. Alors j'aimerais vous citer les noms d'athlètes de ma circonscription, comme par exemple Penny Oleksiak, Victoria Nolan. J'en passe les meilleurs. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument exceptionnel. Nous avons des athlètes, par exemple, qui se sont illustrés dans le domaine de la natation, sur le 100 mètres ou en nage libre. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et il y a eu une parade qui a été organisée pour nos autres athlètes cet été. Et en 2015-2016, il y a eu un financement qui a été attribué à 126 de ces athlètes dans tout l'Ontario. Certains d'entre eux étaient des athlètes paralympiques. Et le ministère compétent a contribué à attribuer un financement supérieur à ces athlètes à hauteur de 7 500 $ par an. Nous avons par exemple le programme de la quête de l'or qui a été financé grandement par le ministère compétent. Et je pense que nos athlètes se sont illustrés par leur excellence dans toutes sortes de compétitions nationales et internationales. Et les profits des Jeux panaméricains et parapanaméricains sont réinvestis à bon escient par le gouvernement. Merci. Merci. Rapport de comité.